بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة آمين آمين آمين. Donc ayouh les ikhwat ul kiram, ce rappel ou ce cours a pour objectif de continuer inshallah ce qui a été débuté comme ce qui a été débuté dans le commentaire de Al-Haqaiq fi at-tawhid de Sheikh Ali ibn Khudayr al-Khudayr fakallahu asrahu thabbathu ala darbi al-haq. Donc et nous allons lire en même temps le sharh de Sheikh Abu Maliya hafizahullah ta'ala wa nasarahu hayyan kana wa ra'ahu mayyita. Il dit à Sheikh Ali al-Khudayr al-qism al-awwal kitab haqiqat al-islam wa ash-shirk. Donc le chapitre 2, tout ce qui réunit haqiqat al-islam, la réalité de l'islam et la réalité du shirk. Awwalan bab haqiqat al-islam, le premier sous-chapitre est la réalité de l'islam. قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن أي ومن اتبعني. وقال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي الحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث, الحديث المتفق عليه من حديث عمر ابن الخطاب من حديث عمر رضي الله عنه. شرح دونك لو شيخ دي الله تعالى دي سيل بوليميك avec toi dis leur alors j'ai soumis mon être à Allah et ceux qui m'ont suivi ont aussi soumis leur être à Allah. وقال تعالى يا الله تعالى دي بلى من أسلم وجهه لله. Lorsque les juifs et chrétiens, lorsque les juifs ont prétendu que seuls eux entreraient au paradis et que les chrétiens ont prétendu que seuls eux entreraient au paradis, Allah Ta'ala a rejeté toutes ces affirmations dénudées de preuves et il dit loin de là, au nom, seuls ceux qui ont soumis leur être à Allah tout en étant bienfaisants, c'est-à-dire en suivant la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, seuls ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur et nulle crainte pour eux par rapport au futur et ils ne seront pas attristés. Wa qala ta'ala wa man ahsanu deena mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahim hanifa. Et qui y a-t-il de meilleure religion et de meilleure soumission que celui qui soumet son être à Allah et qui est wa huwa muhsin tout en étant bienfaisant et qui suit la milla d'Ibrahim. Il dit qu'il suit la milla, la religion, la soumission, la religion d'Ibrahim, Hanifa, qui était monothéiste et qui avait un penchant vers le tawhid et restait ferme dessus. Et dans le hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Omar ibn Khattab, selon Ibn Omar radiallahu anhu, l'islam fut fondé sur cinq piliers. Le premier, le témoignage qu'il n'y a de véritable Dieu qu'Allah, et que le seul et unique qui mérite d'être adoré est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Abu Maliya hafizahullah dit qawluhu al-haditha bil fathi ay akmil al-haditha. Lorsque vous trouvez et lorsqu'on trouve dans le sharh du Sheikh qu'il dit al-haditha avec une fatha à la fin, c'est-à-dire akmil al-haditha, termine le hadith. Le hadith ici est donc maf'oulun bihi. Fa mahallu shahidi al-hadith bitoulihi laljuz'u al-madhkur faqat. Donc le témoin dans le hadith, à savoir l'islam a été fondé sur cinq piliers,
ce n'est pas le ce n'est pas la seule, la partie qui a été mentionnée seulement, mais tout le hadith, à savoir l'islam a été fondé sur 5 piliers, sur 5 entre parenthèses piliers. Le premier, le témoignage qu'il n'y a de véritable Dieu qu'Allah. Le deuxième, l'accomplissement de la prière et donner la zakat et le saum de Ramadan et le hajj, le pèlerinage pour celui qui en a la capacité. La deuxième faïda, ayyuha l'ikhwatul kiram, al-islamu yuhfaz. Et cette définition doit être apprise par cœur. Al-islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid. L'islam est la soumission à Allah par quoi? Par le tawhid. C'est-à-dire que l'islam n'est pas la soumission absolue, dans le sens la soumission par n'importe quelle manière. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que l'islam soit la soumission à lui seul et uniquement à lui. Donc celui qui se soumet à Allah, mais prend des intermédiaires entre lui et Allah, en se soumettant à eux, comme on se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-ci ne sera pas musulman. Pourquoi? Car il s'est certes soumis à Allah, mais il ne s'est pas soumis à Allah par le tawhid. Il s'est soumis à Allah en commettant du shirk. Qu'Allah nous en préserve. Comme c'est le cas des rawafid al-mu'asirin et des soufis, les soufis contemporains aussi, al-ghulat, les extrémistes parmi eux, qui se soumettent à Allah, mais ne se soumettent pas en vouant leur être exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ils se soumettent à Allah en vouant leur être à Allah et à autre qu'Allah. D'accord? Les du'as, ils les vouent à Allah et ils les vouent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le ta'zim, le respect que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite, ils le vouent à Allah et à autre qu'Allah. Comme ceux qui invoquent les morts et leur demandent ce qu'on peut demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, ou ceux qui sont même loin de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la tombe des saints, et les invoquent et leur demandent d'intercéder en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou leur demandent de demander à Allah de leur pardonner. Tout ceci, c'est cela. Lorsque ils ont demandé à ces êtres morts l'intercession, ou leur ont demandé de demander à Allah subhanahu wa ta'ala une chose pour eux, ils n'ont agi de la sorte que s'ils ont pensé que ces derniers avaient le pouvoir de les entendre à une distance lointaine. Or, ce pouvoir d'entendre toutes les voix et d'entendre le serviteur, où qu'il soit et quel que soit l'endroit où il est, ce pouvoir-là n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce pouvoir n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ont associé à Allah dans l'adoration, à savoir la dua, et la base de cette association dans l'adoration n'est autre qu'une association, un shirk dans l'asma wa sifat et dans ar-rububiyya, qu'Allah nous en préserve. Soit, on revient à la définition. Al-islam huwa al-istislam lillah bit-tawhid. L'islam est donc la soumission à Allah par le tawhid. Ne pas se soumettre à Allah par n'importe quelle manière. Ne pas se soumettre à Allah en pensant qu'il est permis de chercher le jugement d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala afin de satisfaire Allah, comme le font certains mouvements contemporains aujourd'hui lorsqu'ils pensent qu'en entrant dans les parlements contemporains et en jurant fidélité à une autre constitution que la constitution d'Allah subhanahu wa ta'ala et en reconnaissant la suprématie d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui reconnaissent la suprématie de la majorité parlementaire, afin soi-disant de satisfaire Allah, c'est-à-dire afin d'aider les musulmans. Donc lorsqu'ils disent nous entrons dans ces parlements, nous prêtons allégeance à ces constitutions mécréantes et ils reconnaissent en apparence la suprématie de la majorité parlementaire en reconnaissant le principe démocratique qui veut que ce que la majorité parlementaire reconnaît comme étant juste sera juste et ce qu'elle reconnaît comme étant faux sera faux et ce qu'elle reconnaît comme étant une loi sera une loi et ce qu'elle rejette comme loi ne sera pas une loi. Donc lorsqu'ils reconnaissent ce principe-là, de cette manière-là, ils se sont soumis à un autre législateur qu'Allah et ils ont reconnu une autre suprématie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est du shirk. Ils disent, nous faisons cela, pourquoi? Pour aider les musulmans. Nous faisons cela, pourquoi? Pour obtenir des intérêts religieux, certains intérêts religieux nous soient accordés et pour que nous puissions bénéficier de choses qui seront bénéfiques aux musulmans et bénéfiques à la communauté musulmane ou bénéfiques aux multazimines et ainsi de suite. Donc ils font cela pour satisfaire Allah. Ils font cela pour satisfaire Allah. Or Allah nous a montré que la seule soumission,
la seule soumission qui est acceptée et la seule manière de le satisfaire est l'islam. Or, l'islam est la soumission exclusive à Allah, non pas la soumission à Allah et à autre qu'Allah. Non pas la soumission à Allah et à autre qu'Allah. Et ceux qui prétendent agir de la sorte afin de satisfaire Allah ne seront pas meilleurs que ceux qui ont prétendu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam prendre des intermédiaires entre eux et Allah afin qu'ils les rapprochent d'Allah. La finalité est la même. Même si les manières de faire sont différentes, la finalité est la même. Comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Et ceux qui ont établi en dehors d'Allah des alliés, c'est-à-dire des associés, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah, qu'ils nous rapprochent fortement d'Allah. Donc, ils ont pris des intermédiaires entre eux et Allah, en leur vouant certaines formes d'adoration, et en les mettant à l'égal d'Allah dans des choses qui sont spécifiques à Allah. Pourquoi agissent-ils de la sorte? Afin qu'ils les rapprochent d'Allah. Quelle est la différence entre ceux-là et entre ceux qui reconnaissent la suprématie absolue de la majorité parlementaire afin de satisfaire Allah et afin de se rapprocher d'Allah d'une autre manière qui est d'aider les musulmans ou de préserver ce qu'ils appellent certains makasib da'awiyya, des makasib da'awiyya, c'est-à-dire les mosquées, les centres islamiques, les centres culturels religieux, dans le but d'enseigner aux gens l'islam. Enseigner aux gens l'islam est une finalité qui ne doit pas être réalisée par n'importe quel moyen. La fin ne justifie pas les moyens. Et le plus grand des moyens, ou le pire des moyens que l'islam a interdit, est le shirk. Donc si ces gens pensent que dans leur action, il y a une maslaha, il faut savoir que cette maslaha est une maslaha mulra. Elle est rejetée. Pourquoi? Car elle s'oppose à un texte et à un principe religieux qui est le but même de l'envoi de tous les messagers et la cause pour laquelle la création a été divisée en deux, à savoir d'un côté les croyants et de l'autre côté les non-croyants, les mécréants. Donc en aucun cas le musulman, il ne peut lui être permis de commettre du shirk afin de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah ne nous a jamais... La plus grande manière par laquelle nous puissions satisfaire Allah est de réaliser le tawhid, à savoir se soumettre à Allah exclusivement. Bala man aslama wajhahu lillah. Certes, celui, le seul qui ira au paradis, c'est celui qui aura soumis son être exclusivement à Allah. Or, celui qui soumet son être à Allah et autre qu'Allah, il n'a pas réalisé l'islam. Et s'il n'a pas réalisé l'islam, il ne peut être musulman. La base de l'islam est donc Al-Istislam ou Lillahi bit-Tawhid. L'islam est donc, la base de l'islam, c'est la soumission à Allah par l'unicité. Wal-Khulus min ash-Shirk. Et de se désavouer du shirk. Et qui dit la soumission à Allah par le Tawhid, dit forcément l'abandon du shirk. Car celui qui se soumet à Allah par le Tawhid, forcément, aura délaissé le shirk. On ne peut imaginer une personne qui se soumet à Allah par le Tawhid et dans le même moment n'a pas délaissé le shirk. C'est impossible. D'accord? L'islam est donc al-istislam lillahi bit-tawhid, la soumission exclusive à Allah par le tawhid, wal khulus min ash-shirk, se débarrasser et se désavouer du shirk, wal inqiyad lahu bit-ta'a, et la soumission ou la subordination à Allah par son obéissance. La subordination à Allah par son obéissance. Il faut savoir que ce qui s'oppose à cette subordination à Allah par l'obéissance, c'est le refus de l'obéissance à Allah. Et le refus de l'obéissance à Allah, il peut se réaliser soit par l'abandon de tous les actes, ce qu'on appelle jinsul amal. Donc à l'unanimité d'Ahl sunnati wal jama'a, celui qui abandonne tous les actes, il est mécréant. Même les savants qui considèrent que celui qui abandonne la prière n'est pas mécréant, ils disent que celui qui abandonne tous les actes, il est mécréant. Je parle des savants d'Ahl sunnati wal jama'a. Donc nous avons deux solutions pour celui qui abandonne l'obéissance à Allah. Il y a les savants qui disent que l'abandon de la prière est du kufr akbar. Et il y a le consensus des sahaba radiyallahu anhum. Ce consensus est un consensus sukuti, implicite, c'est-à-dire qu'il est vanni, il est probant. Par conséquent, celui qui le dément n'est pas mécréant, bien sûr.
Donc il y a le consensus implicite des sahaba radiyallahu anhum sur le kufr de Tariq al-Salah, comme l'a cité l'imam Ishaq ibn Rahawai et Abdullah ibn Shaqiq rahimahumullah ta'ala. Abdullah ibn Shaqiq, il dit qu'il a rencontré 30 parmi les compagnons, il ne voyait parmi les actes qu'un seul acte dont l'abandon était du kufr. Quel était-il? La prière, la salat. D'accord? Et Ishaq ibn Rahawai, rahimahullah, rapporte le consensus de son époque, jusqu'à l'époque des sahaba, radiyallahu anhum, que celui qui abandonne la prière, une seule prière, et qui se refuse de la faire, jusqu'à ce que son heure sorte, et ils disent, je ne la prierai pas, que celui-ci est mécréant. D'accord? Donc il n'y a pas de divergence entre les sahaba, radiyallahu anhum, que celui qui abandonne toutes les prières, et celui qui ne prie pas du tout, il est mécréant. La divergence qu'il y a eu, c'est sur celui qui abandonne une prière ou deux prières. Mais quant à celui qui ne prie pas du tout, il n'y a pas de divergence entre les sahaba qui les kafir. D'accord? Une parenthèse ici, par rapport à la parole d'Ishaq ibn Rahawai, certains savants ont dit que le consensus qu'il a rapporté n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'avant lui, il y a eu Abu Hanifa, et Abu Hanifa considérait que là, celui qui abandonne la salat n'est pas mécréant. Quoi qu'il en soit, même si Abu Hanifa rahimahullah considérait que celui qui n'abandonne pas la salat, que celui qui abandonne la salat n'est pas mécréant, il faut savoir qu'avant l'époque d'Abu Hanifa, d'autres ont dit que les sahabas ont été unanimes sur le kufr de Tariq al-Salah. Donc en ce qui concerne l'inqiyad, la subordination à Allah subhanahu wa ta'ala par l'obéissance, l'obéissance ici englobe l'ensemble des actions qui plaisent et qui par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces actions là, il en est qui sont une condition de la validité de la foi. À l'unanimité d'Ahl Sunnah wal Jama'a, celui qui abandonne tous les actes qui distinguent le musulman du non-musulman est mécréant. Et selon l'avis le plus juste, qui est le consensus implicite des sahaba radiyallahu anhum, celui qui abandonne la prière est mécréant. Mais, donc ici je dis l'avis le plus juste car il y a une divergence qui est apparue après l'époque des compagnons radiyallahu anhum, entre les sahaba. Donc malgré cette divergence, il n'y a aucune divergence entre Ahl Sunnati wal Jama'a que celui qui abandonne tous les actes est mécréant. Retenons bien ce point-là. Donc selon certains, Jinsul Amal est représenté par la prière, et selon d'autres, Jinsul Amal est représenté par les actes qui distinguent le musulman du non-musulman. Et pour plus de détails, voir le charh de Al-Qawa'id de l'Usul Thalatha ou Al-Qawa'id l'Arba'a parmi les contemporains de Cheikh Ahmed Al-Hazimi Hafidhahullah Ta'ala. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله تعالى نودي dit certes ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah le Seigneur des mondes. Il n'a aucun associé et c'est cela qui me fut ordonné et je suis le premier des musulmans et je suis le premier des musulmans. الشيخ أبو ماليا حفظه الله ديت ensuite الطاعة قوله الطاعة la parole du شيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله lorsqu'il a défini l'islam ou la afwan la parole la parole dans la définition lorsqu'on la partie dans la définition on dit la subordination à Allah par l'obéissance dans l'obéissance يدخل فيها أول ما يدخل أعمال الجوارح التي هي من أصل الإيمان التي يزول الإيمان بزوالها. La première chose qui rentre dans l'obéissance et la plus importante des obéissances, ce sont les actes des membres du corps. Les actes des membres du corps et les actes du cœur à travers lesquels la foi, les actes des membres du corps dont la disparition amène à la disparition de la foi.
telle que la prière. Donc on a dit, selon l'avis le plus juste, c'est al-sunnati wal-jama'a, et cet avis est le consensus des sahaba radiyallahu anhum, et la divergence n'est apparue qu'après l'époque des sahaba. Or, si le consensus implicite ou explicite soit-il se réalise à une époque donnée, il interdit toute divergence par après, donc la divergence après n'est pas à prendre en considération. Revoir encore le charh de les shuruh de Cheikh Ahmed Al-Hazimi. ثم يدخل فيها الأعمال التي هي من واجب الإيمان. Puis dans l'obéissance entre les actions qui font partie de la foi obligatoire, c'est-à-dire la foi obligatoire. Ces actions-là, leur abandon amène à la faiblesse de la foi et à la diminution de la foi, et celui qui les abandonne mérite le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais leur abandon n'amène pas à la disparition de la foi, contrairement aux actions qui font partie de la base de la foi. Donc faisons la distinction entre les actes qui font partie de Aslul Iman, la base de la foi, leur disparition amène à la disparition de la foi, et les actes dont l'abandon amène à la diminution de la foi, et celui qui aura abandonné ses actes sera désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux-là, ces actes-là, font partie de Wajib al-Iman, ou l'Iman il-Wajib. D'accord ? Thumma ba'da thalika al-a'mal allati hiya min kamal al-Iman. Puis après cela, entre dans l'obéissance les actes qui font partie de la perfection de la foi, à savoir que leur abandon ne mène ni à la disparition de la foi, ni à la disparition de la foi, ni à la diminution de la foi. Mais celui qui ne les accomplit pas n'aura pas une foi complète. Ici se termine, inshallah ta'ala, le premier appel ou le premier cours dans la lecture de Sharh al-Haqa'iq, Cheikh Ali al-Khudayr, et nous laissons la suite, inshallah, pour une prochaine fois, ou nous laisserons, c'est-à-dire ensemble, la suite pour une prochaine fois. Wa sallallahu alayhi wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa alhamdulillahi rabbil alamin.